Paix et joie du Christ, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Joseph ouvrier. C'est la fête du travail. Notre papa Joseph a toujours su subvenir aux besoins de la Sainte Famille de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons à lui pour lui demander d'intercéder pour tous ces pères de famille qui ont perdu leur travail. Ceux qui sont à la quête d'un travail, nous lui confions également ces pères de famille qui ont un travail et qui s'attendent à des promotions pour prendre encore mieux soin de leur famille. Nous lui présentons tous les cas ayant trait à la vie professionnelle. Il saura mieux que quiconque intercéder en notre faveur. Il saura mieux que quiconque parler à son Fils bien-aimé qui veille sur chacun de nous, sur chacune de ses brebis. Alors mon frère, ma sœur, tu vas chanter le Seigneur Jésus, le Seigneur dans sa bonté, qui veille sur nous contre vents et marées. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il est toujours là présent, l'ami fidèle, le seul, le véritable, celui-là qui a obéi à son papa Joseph. Oui, nous allons chanter le Seigneur Jésus pour lui dire merci de nous avoir donné un Père si merveilleux, si attentionné, si bon, si calme et si attendrissant. Merci Seigneur Jésus. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Mon cher papa, qui te réveille le matin, te posant des questions, te demandant comment faire pour subvenir aux besoins de tes enfants, aux besoins de ta famille. Toi qui souffres, toi qui doutes, toi qui as mal, toi qui pleures, toi dont le cœur saigne, je te parle aujourd'hui et je te dis, confie-toi à Saint Joseph. Il intercédera pour toi et il intercède pour toi en ce moment même. Les grâces dont tu as besoin, il saura te les obtenir. Alors,
essuie tes larmes. Ne pleure plus, car notre papa Joseph est là. Il est là et il veille au grain. Certes, il est silencieux, mais il est efficace. Il est efficace quand on se confie à lui et qu'on a confiance en son intercession. Papa Joseph, je te recommande tous ces pères de famille qui ont du mal sur le plan professionnel. Mon frère, ma sœur, nous allons faire cette petite prière à Saint Joseph pour lui confier ce thème que nous portons en prière aujourd'hui. Ô Saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, qui avez passé votre vie à accomplir parfaitement votre devoir en entretenant par le travail de vos mains la Sainte Famille de Nazareth. Daignez protéger ceux qui, avec confiance, se tournent vers vous. Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances. Ils recourent à vous, car ils savent qu'ils trouveront en vous quelqu'un qui les comprenne et les protège. Vous aussi, vous avez connu l'épreuve, la fatigue, l'épuisement, mais au milieu de vos préoccupations de la vie matérielle, votre âme, comblée de la paix la plus profonde, exultait d'une joie indicible à cause de l'intimité avec le Fils de Dieu, confié à vos soins et avec Marie, sa douce mère. Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu'ils ne sont pas seuls dans leur travail, qu'ils sachent découvrir Jésus à côté d'eux, l'accueillir avec la grâce, le garder fidèlement comme vous l'avez fait vous-même. Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier, partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience, dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, afin que descendent en abondance sur tous les dons du céleste amour. Ainsi soit-il. Amen. Cette prière est du pape Saint Jean XXIII. Quel ami il est Jésus. Oh, quel ami il est Jésus. Il calme les rages nuits et jette ma vie. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang, sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Et Saint Joseph, toi notre Père adoptif, nous te demandons d'intercéder pour tous les travailleurs du monde, pour tous les travailleurs chrétiens en particulier. Obtiens-nous la grâce, les grâces
dont nous avons besoin pour mener à bien le travail que le Seigneur Jésus, dans son infinie bonté, nous a donné. Père bien-aimé, veille sur tous les pères de famille, nos chers papas, nos époux, afin que comme toi, ils soient en mesure, non pas sans difficulté, d'accomplir leur tâche d'époux et de père, comme toi tu l'as accompli. Merci Saint Joseph. Merci Saint Joseph. Merci Saint Joseph. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.